Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre excellente chaîne de l'information Lumière de l'info. Ici, nous vous illuminerons sur les actualités africaines et même mondiales. Nous vous prions juste d'être courtois et poli. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester proactif sur les actualités et posséder le pouvoir de l'information. Merci et bon visionnage. Sécurité. La ville de Tongan, sous blocus terroriste, attend une intervention militaire pour éviter le pire. La situation sécuritaire actuelle à Tongan, dans la province du Soro, région de la boucle du Mouron du Burkina Faso, sous blocus terroriste, est alarmante en ce début d'année 2023. Les troupes armées terroristes sont de nouveau dans la zone. Après quelques tueries dans des villages, les terroristes ont organisé un blocus de la capitale provinciale, Tongan, empêchant tout accès à la ville par voie terrestre. Tout a commencé ce vendredi. Ce jour-là, les compagnies de transport ont été empêchées de poursuivre leur voyage en direction de Tongan. Finalement, les véhicules ont été contraints de rebrousser chemin à partir de Saran, localité située à une vingtaine de kilomètres de Tongan sur l'axe Ouagadougou-Toma. Depuis lors, les cars restent stationnés à Toma et pour certaines compagnies, le trafic routier se limite actuellement à Toma. Cette situation n'est pas sans impact sur l'activité économique. Très vite, une pénurie de produits de grande consommation a été constatée dans la ville et de carburant. Heureusement, des camions stationnés à Toma ont pu regagner Tonga le mardi dernier grâce à une escorte des forces de défense et de sécurité. Merci les amis d'avoir suivi la vidéo et surtout n'hésitez pas de laisser vos avis et vos requêtes en commentaire. On en prendra charge pour vous satisfaire dans les vidéos à venir. Merci et à très bientôt. Bye bye.